Bonjour Stéphane, planètenumérique.com, pour le test aujourd'hui vidéo complémentaire de la dernière console rétro gaming qui fait le buzz sur le marché. On l'appelle Supretro pour Super Rétro, on l'appelle Pokidia 19, on l'appelle Pandora Game Mini Mini S, mais c'est toujours le même produit. Je viens de vous publier donc le test complet hein, sur le blog, mais ici je préfère aussi vous la montrer en vidéo de manière à ce qu'on comprenne mieux certains des éléments que j'ai pu faire remonter sur le test. Donc, le premier point, c'est on est entre du déjà-vu hein, et de l'innovation. Alors, quand je dis du déjà-vu, c'est que vous avez une console ici avec un écran 3,5 pouces, hein, très lumineux. Ici, il n'est pas poussé au maximum. Donc, on a une forme factor, comme on dit en anglais, assez habituelle, hein, qui ressemble plus ou moins à ce qu'on appellerait une Game Boy. Hein. On a un placement vertical. On a ici un curseur analogique, un petit stick analogique. Ici, on a le D-pad. Hein, donc, il n'est pas sous une forme de croix habituelle. Alors, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien? Moi, personnellement, je trouve que c'est bien. C'est bien. Après, bon, hein, c'est une question de goût. On a 6 boutons. Donc, on voit qu'on n'a pas de boutons sur les côtés, hein, ici ou ici, voire ici. Donc, pour certaines émulations, ça pourrait poser des problèmes de ne pas avoir les boutons dits d'épaule hein, ou les LR. Hein. Et puis ensuite, on a un bouton Home, un bouton Select et un bouton Start qui vont permettre donc à la fois d'accéder dans les menus et puis aussi de mettre de l'argent ou de pouvoir lancer le jeu. Un petit emplacement haut-parleur ici. Et sur les côtés, le réglage du volume. Et de l'autre côté, le bouton d'allumage avec un petit voyant ici. Question assemblage, comme je vous écris sur le site, on est sur quelque chose de propre mais pas parfait. Hein. Vous voyez ici, par exemple, j'ai un petit décalage hein, au niveau du dos. Je n'ai pas cherché à forcer hein, de toute façon, mais on est sur une prestation propre. Hein. On n'est pas sur du beau super plastique, mais il ne fait pas non plus jouer. Donc quelque chose que je recommanderais quand même. Hein. L'allumage, quand vous la mettez sous tension, alors ici je vais la mettre à la limite, je vais plutôt l'éteindre. Ce qu'on comprend, c'est que elle fonctionne sous un système Android. Le système Android est complètement masqué, hein, vous ne le verrez pas. Il y a juste quand on l'allume, on voit un petit moment un Android starting, mais c'est tout ce que potentiellement vous aurez. Donc l'interface utilisateur, quand vous l'allumez, ici, elle se présente avec une liste sur la partie gauche, l'écran n'est pas tactile, donc il n'y a pas de problème, même si on aurait tendance parfois à vouloir l'appuyer. Et sur la partie droite, vous avez une petite vidéo, vous avez une petite vidéo, donc ici c'est vous réglez quand est-ce que vous voulez que l'écran s'éteigne en cas de non-utilisation pour économiser la batterie intégrée. Et puis sur la partie droite, vous avez une prévisualisation vidéo du jeu que vous allez vouloir voilà, pour pouvoir confirmer que c'est bien le jeu que vous voudriez. Hein. En termes de catégorie, ici, vous avez donc potentiellement 203 pages qui représentent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 203. Donc j'en déduirai qu'il y a un peu plus de 2000 jeux intégrés. C'est une console qui a de larges fonctions d'émulation, puisqu'on va trouver tout aussi bien des émulations de type PSP, de type Nintendo 64, PlayStation, Super Famicom, enfin du NES, on va trouver du même, des bandes d'arcade, on va trouver de la Game Boy Color, de la Game Boy Advance, de la Mega Drive. Donc vous avez toutes ces émulations qui sont dedans, et là où elle a fait un petit peu le buzz, c'est que naturellement, on commence à parler d'émulations 3D, qui sont pas très habituelles sur ce petit format. Hein. C'est-à-dire par exemple l'émulation 3D pour de la Dreamcast. Donc vous avez la possibilité de naviguer dans toute la liste, hein, vous allez vraiment trouver tous les classiques, et là je rentrerai pas dans le détail. Et si on regarde un petit peu plus près, hein, j'espère que ça reste visible, on s'aperçoit que la liste comprend un petit icône pour le type d'émulation, hein, par exemple un petit P avec le logo PlayStation, ensuite le nom du programme, enfin du jeu. Hein.
donc Tekken 3, Street Fighter, vous voyez, hein, sans restriction de longueur. Et puis ensuite, vous avez un petit icône symbolisant la nature de l'émulation. Donc on va voir des petites armes, si jamais c'est de l'émulation de type jeu de baston. Hein. Et puis si jamais, hein, j'essaie de trouver, vous voyez, on en a beaucoup, des petits avions pour tout ce qui va être jeu d'arcade, arcade plutôt, voilà, bataille, etc. Bon, il n'y en a pas 50 millions hein, de typologies de jeux, mais ça peut être quelque chose qui va être intéressant quand vous allez sélectionner. Et puis, vous avez la partie catégorie en haut. Donc, vous avez différents onglets. Hein, All pour tout, catégorie, recent et search. Donc, moi, je l'ai mis en anglais. Hein, si vous voulez l'avoir dans une autre langue, vous pourriez. Je me souviens plus s'il y a le français, je crois pas. Donc voilà, je suis remonté tout en haut, c'est pas très intuitif, il faut toujours remonter complètement au début de la liste All pour pouvoir aller sur catégorie. Alors catégorie, ici, vous avez surtout une liste qui va être orientée par catégorie d'émulation. Hein. Donc on passe sur des arcades, les jeux PS1, des jeux Nintendo 64, des jeux... Ici, Famicom, enfin NES. Ici, je ne me souviens plus de l'image d'émulation, de la Game Boy Color, etc. Donc voilà pour l'interface. Et vous avez aussi Recent, dans lequel vous allez trouver les derniers jeux auxquels vous avez joué. L'intérêt, c'est que comme ça, vous n'avez pas à passer trop de temps à chercher vos jeux. Et vous avez aussi un Search, hein, qui permet de taper, donc avec le petit clavier virtuel, vous voyez, c'est très très intuitif, le nom du petit jeu que vous allez rechercher, enfin du jeu, hein, et vous allez voir apparaître sur le côté immédiatement ces jeux. À savoir que dans les menus de la console qu'on va maintenant regarder, vous avez aussi la capacité de mettre des favoris. Ce faisant, on va donc avoir la possibilité de voir ces jeux situés en haut de la liste All, hein, pour pouvoir lancer plus facilement. Donc on reprend juste après pour la partie menu, hein, à l'intérieur. Et je vais aussi augmenter la luminosité pour que, au niveau de la vidéo, vous voyez beaucoup mieux. Donc quand vous lancez la console, hein, vous appuyez, puis apparaît environ une quarantaine de secondes après l'interface principale que je viens de vous décrire. Hein. Donc la première fois que vous allez la mettre en service... Vous allez avoir des écrans qui vont apparaître, qui vont certainement vous sembler être du blabla, qui vous expliquent en anglais, hein, comment manipuler la console. Ne faites pas comme moi la première fois, enfin du moins, moi j'avais pas la vidéo, c'est que je suis allé très très vite à faire next, 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 hein, et ensuite bah, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on fait pour arriver dans les menus? Puisque j'ai pas trouvé de bouton menu, je commence à appuyer un peu partout, parce que dans la boîte, à vrai dire, il n'y a pas de documentation, dans mon cas. Hein. Dans mon cas, il n'y a pas de documentation. Il n'y en a pas vraiment besoin, à vrai dire, puisque comme je vais vous expliquer avec ma vidéo, il n'y a pas vraiment d'ambiguïté, mais c'est plutôt que dans mon cas, je me suis retrouvé un petit peu idiot. Alors, c'est très très simple. Hein. Pour accéder au menu de la console, il faut appuyer sur le bouton Home, une pression longue. Voilà. Et une fois que vous avez appuyé sur une pression longue, vous vous retrouvez avec les différents menus. Les différents menus, donc je vais vous les décrire. Hein. Ici, vous avez, donc, il n'y a pas de français. Hein. Vous avez anglais, espagnol, chinois, peut-être une autre langue. Mais il n'y a pas de français, donc il faut accepter d'être en anglais. Mais il n'y a pas non plus énormément de réglages. Je vais vous les traduire au fur et à mesure. Hein. Donc, un L setting, c'est pour la partie configuration générale. On va trouver quelque chose qui va tourner autour du mappage des touches. Hein. Quelque chose qui va permettre de régler les jeux, d'aller dans le game market, le marché d'application. Je vous le décrirai plus loin. Le user wizard, c'est justement ces fameux écrans qui apparaissent au début, je vais vous les montrer, et qu'il faut pas voilà, que j'espère que le client lambda qui aurait pas vu ma vidéo va pas zapper. Le check pour update, c'est-à-dire a priori la possibilité à terme de recevoir via wifi directement une mise à jour, et puis bon, la remise en configuration d'usine. Donc prenons le petit user wizard, hein, donc j'appuie sur le bouton A. Et voilà. Donc, il vous demande la langue, il vous demande la time zone, sachant qu'ensuite, vous faites A, next, B, previous, etc. Hop. Quelques instructions. Ici, tac, 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 tac. Voilà. Ici, on vous montre les différentes touches, hein, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bon, ça, c'est explicite. Mais c'est surtout, vous voyez, enter the system settings with long press the home key. Voilà. C'est le genre de petites choses qu'on voit pas au début, hein.
C'est aussi marqué que pour gérer la luminosité, vous voyez, c'est quelque chose que je découvre en temps réel. Vous avez la possibilité de faire une longue repression sur le menu et vous allez substituer à ces touches le contrôle du volume ou contrôle la luminosité. Les interfaces, je vous en avais pas parlé, bah c'est l'occasion. Hein. On va voir qu'au-dessus, on va trouver une micro HDMI, un port casque, un port carte micro SD. Ici, voilà, ici. On trouve donc le port USB qui va servir à la charge, mais aussi, comme j'ai pu le déterminer, à connecter un joystick en filaire. Hein, ça, c'est pas écrit hein, nulle part, mais ça marche. Le port micro carte USB, donc qui est voilà, donc qui est protégé pour l'humidité, etc. Bon, là, j'ai pas suffisamment d'ongles pour vous sortir. Faites-moi confiance, il y a une carte micro SD de 32 Go. Intégré, hein, on en parlera plus tard, la prise casque et puis la prise micro HDMI. Hein. Voilà, donc ça, c'est aussi ce qui vous est expliqué lors de la mise en œuvre. Ensuite, voilà, on vous explique que vous pouvez changer les favoris, vous pouvez changer les jeux dans la liste, vous pouvez même supprimer des jeux, etc. Et vous avez la possibilité aussi de paramétrer des touches pour que dans le cadre d'un jeu, elle fasse une double action, hein, qu'elle fasse l'équivalent de presser A et B, par exemple, ensemble, voyez. Donc le manuel est intégré. Hein. C'est à savoir, au début, on a plutôt tendance à cliquer assez vite et puis on se retrouve vulgairement comme deux rondes frites. On ne sait pas utiliser le périphérique. Alors, de base, vous n'avez quasiment rien à faire. Hein. Là, je vous présente les paramétrages de manière à ce qu'on comprenne mieux. Donc, NL Settings. Alors, NL Settings, vous allez avoir la possibilité de configurer le Wi-Fi. Un Wi-Fi sur une petite console comme ça, à quoi ça peut bien servir? Eh bien, ça va servir à la fois à récupérer un nouveau firmware, s'il y en avait un qui venait à être disponible, mais c'est aussi la possibilité d'aller sur un Game Market. Et oui, c'est une console qui en fin de compte intègre 2000 titres de base, mais aussi la possibilité d'aller chercher de nouveaux titres juste en choisissant sa console, en tapant le début du nom d'un jeu, etc. On le reverra un peu plus tard. Hein. Donc pour le Wi-Fi, vous allez voir apparaître tous vos Wi-Fi, vous allez pouvoir les sélectionner. Hein. Et bon, il y a un petit peu le clavier un petit peu particulier puisqu'il faut appuyer sur différents commutateurs pour faire apparaître les caractères spéciaux si vous en avez dans votre clé de borne Wi-Fi, mais il n'y a rien. En tout cas, moi j'ai bien pu rentrer ma clé Wi-Fi qui a des caractères spéciaux, etc. Donc il n'y a pas d'angoisse par rapport à ça. Ça passe bien, il n'y a pas de limite. Bon, sachant que c'est un Wi-Fi 2.4, hein, c'est pas un Wi-Fi 5.5. Hein. Donc Wi-Fi, la luminosité, hein, possibilité d'ajuster. Donc quand on sélectionne. C'était pas la luminosité sur laquelle j'étais, c'était sur le Bluetooth. Vous pouvez donc activer le Bluetooth. Et de nouveau, le Bluetooth, pourquoi faire? Eh ben, c'est très très simple. Le Bluetooth va vous permettre de raccorder des gamepads externes. Donc ici, j'ai pu sans difficulté connecter mon gamepad Xiaomi, hein, qui est un gamepad Bluetooth de très très bonne qualité avec retour haptique. Hein. Et j'ai aussi pu connecter. Hein, voilà, ça y est, il vient de se connecter sur la console, il n'y a rien eu à faire. J'ai aussi pu connecter un gamepad beaucoup plus généraliste, hein, un G910, hein, voilà, qui est un gamepad un peu moindre qualité, mais ça a fonctionné. Et d'ailleurs, vous voyez que ça fonctionne très très bien, puisque maintenant je peux parfaitement utiliser même mon gamepad pour remplacer mon utilisateur principal. Donc on revient sur les menus de la console. Donc on a la partie Bluetooth pour ajouter des périphériques. On fait rechercher périphériques, on appuie, il n'y a pas de clé, il n'y a rien à faire. Ensuite on va se retrouver avec la luminosité que j'ai mis à 100% pour le test, mais qui n'a pas besoin d'être à 100% en temps normal. Et surtout d'ailleurs qui ne doit pas être à 100%, sinon ça va vous faire mal aux yeux. Le volume, réglage donc ici, mais aussi pour la luminosité. Ensuite, on va trouver la mise en veille, hein, automatique ici, par exemple, 5 minutes, mais on a tout, hein, après 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, etc. Même le fait que si vous avez oublié de l'éteindre, elle s'éteindra toute seule après ce paramètre auto shutdown. Le fait de dire que voulez-vous voir apparaître le pourcentage de batterie en haut de l'écran ou pas, hein, de l'écran principal de l'interface Pandora, oui ou non, hein, et la possibilité de régler l'heure et... l'heure et la date de votre petite console.
Hop, un petit coup de home, on remonte vers le bas. Et maintenant, j'ai les key settings. Alors, les key settings, possibilité de changer l'affectation des touches de votre console. D'abord, on commence par un petit test des touches. Ça, c'est très classique dans le monde des box Pandora. J'ai eu plusieurs cartes Pandora dans lesquelles on trouve toujours ce contrôle. Surtout quand vous faites vos propres montages de boutons, c'est très important. Voilà, vous avez l'IO test. Et puis ici, voilà, on a la possibilité de vérifier que tous les boutons fonctionnent. Voilà, y compris le select, le start, etc. Donc, possiblement jusqu'à 4 joueurs. Mais ça, 4 joueurs, encore faut-il pouvoir savoir comment on fait. Hein. Donc, on verra après. Hein. Donc, Edit Key Combination. Donc là, bon, bah, c'est très très simple aussi. Vous choisissez le titre sur lequel vous souhaiteriez pouvoir changer la combinaison de clés. Et vous voyez ici que je me suis mis par exemple sur un jeu que je connais pas qui est Mega Man X Maverick. Et quand j'ai appuyé sur la touche A, je vois qu'elle a commuté que maintenant le X va faire un A plus B, va faire un A plus C, va faire un A plus D, va faire un B plus C. Donc c'est des accélérateurs qui auront certainement beaucoup de sens dans le cas des jeux de baston pour faire des combinaisons. Donc je remonte. Donc ça, bon, à voir, hein. On est déjà dans l'expertise. Ensuite, le gamepad settings. Alors le gamepad settings, c'est si vous avez raccordé un gamepad. Hein. Donc ici, c'est si vous avez raccordé un gamepad de type analogique, enfin pardon, de type USB. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, je suis content d'avoir trouvé. On prend un gamepad, prenons par exemple ce gamepad qui est un gamepad que j'avais acheté sur Amazon, un truc tout simple. Hein. Voilà, que j'avais payé une dizaine d'euros. Et je vais raccorder ce gamepad donc sur le port USB, micro USB. Oui, attendez, hein, faut pas que je me trompe, voilà. J'ai raccordé le gamepad et regardez, il est immédiatement apparu en haut. J'ai la possibilité maintenant aussi de piloter l'interface si je voulais avec mon gamepad. Mais surtout, ce que je peux faire un redefine game key, c'est-à-dire redéfinir les touches du gamepad. Hein, voilà. Vous voyez, on a tous les boutons et on a la possibilité de dire que le R2, par exemple, serait plutôt celui-ci que celui-là. Par défaut, c'était bien réglé. Mais sans savoir que cette console peut avoir des joysticks analogiques, on ne peut rien comprendre sur le rôle de ces choix de menu. Hein. Je remonte, Gamepad Utility Wizard. Bon, ça vous dit surtout comment ça fonctionne. Hein. C'est pas vraiment un Utility Wizard, hein. c'est un simple affichage de comment ça fonctionne. Hein. Et je vais faire un petit tour donc sur les unhealth settings, je crois. Non, pardon, je remonte pour vous montrer où on peut paramétrer le. Ok, non. Il y a quand même beaucoup de menus, comme vous voyez. Donc là, j'étais sur les key settings, gamepad settings. Voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici. C'est dans le gamepad settings où j'étais précédemment. Ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai donc rajouté un gamepad additionnel. Il est montré sur Player One. Et si jamais je bouge vers la droite, je vois qu'il est passé en Player Two. C'est comme ça que vous allez pouvoir jouer à plusieurs. Vous allez pouvoir avoir un joystick qui est par exemple celui interne ou un Bluetooth en 1 et un joystick mis en externe en 2. Hein. Quand vous avez plusieurs gamepads, c'est sur cette interface que vous allez pouvoir le régler. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi un petit peu plus tard dans mes tests. Mais tout ça, vous trouvez toutes les infos hein, sur le test écrit. Hein. Donc n'hésitez pas à y rentrer. Donc Game Setting, nous l'avons fait. Game Market, je vais vous juste le laisser un peu de base. Je retourne sur les Handlet Settings pour voir si je ne vous ai rien. Non, ça. Donc on avait fait l'intégralité. Voilà. Et je remonte sur les Key Settings. Il y avait quelques paramètres en plus. Key Combination, Gamepad Settings, Utility Wizard. Non, c'est bon. Et
Game Market, Language, Check for Update. Je crois que j'ai quand même quelque part où j'ai oublié un sous-menu. Ah voilà, ici, voilà, c'était ce menu ici que j'avais, je ne vous avais pas dit. Alors, Image Optimization, on a une Image Optimization ici, Scanline, Disable, HD. Donc, si vous jouez avec la petite console, vous pouvez jouer avec ces paramètres, ça ne va pas faire de différence dans ce que j'ai vu. Par contre, si vous la branchez sur une télévision, là, vous allez vraiment comprendre la différence que si vous mettez Scanline, ça va vous faire un effet affreux avec des lignes où on a l'impression qu'il vous manque une ligne sur deux. Hein. Donc le mieux, c'est de marquer même Disable. Hein. Le Game Notice, j'avoue que ce paramètre, je n'ai pas vu à quoi il pouvait servir. Le Turbo Fire, bah, comme son nom l'indique, hein, on tire plus ou moins vite. Hein, voilà. Edit Difficulties. Donc là, bienvenue chez les tricheurs. Vous avez certains types de jeux sur lesquels vous avez la possibilité de paramétrer le nombre de vies, hein, le nombre de... la difficulté, etc. C'est pas sur tous. Hein. Et ici, par exemple, je suis sur un jeu Super Famicom, ça ne marche pas. Sur un jeu même, ça ne marche pas. Donc là, ça va dépendre du type de jeu. Je vais trouver un jeu sur lequel ça marche. Enfin, du type d'émulation, hein, pas du type de jeu. Voilà, ça y est, là, ça fonctionne. Là. Voilà, ici... Si, c'est sur un Super Famicom. Là, ça fonctionne. On voit que, par exemple, quand j'appuie, la difficulté ici sur la partie droite augmente. Donc, beaucoup de possibilités de paramétrage, y compris sur l'interface principale. Ici, dans ce sous-menu, si je vais sur Edit Favorite List, vous aurez la possibilité de mettre des petits cœurs sur vos jeux préférés. Ce faisant, voilà, ici... Ce faisant, le jeu remonte immédiatement en haut de l'interface de sélection pour que vous n'ayez pas à naviguer dans des milliers de titres, ce qui est complètement inutile et consommateur de temps. Edit Game List aussi, de nouveau, la possibilité de supprimer des jeux directement. Après, c'est tout. C'est beaucoup d'efforts, mais c'est aussi pour avoir une console sur laquelle vous n'aurez pas trop de temps à passer. C'est vrai que l'objectif, c'est pas d'avoir une liste monstre, hein. C'est d'avoir les choses dont on, voilà, pour laquelle on a envie de se faire plaisir. On continue avec le Game Market avant de rentrer dans le jeu en tant que tel. Donc le Game Market, c'est l'idée d'avoir un petit peu, comme on peut avoir sur un Play Store, on peut avoir sur un App Store, l'accès à du contenu complémentaire. Donc c'est une perspective qui existait déjà sur les dernières cartes Pandora Box d'arcade, hein, si vous vouliez monter votre petite borne d'arcade maison, mais ici a été intégrée dans le système. C'est toujours étonnant parce que, comme vous savez, l'émulation, la légalité de l'émulation, c'est très borderline. Hein, et bon, on trouve sur Amazon, hein, tout un ensemble de consoles qui vous proposent aussi des milliers directement livrées de France avec la bénédiction d'Amazon. Bon, là, on est sur un produit chinois sur lequel on va encore un peu plus loin. Hein. Et ce plus loin, c'est la logique de market application. Alors, uniquement exploitable si vous avez raccordé votre console en Wi-Fi, bien sûr. Et vous allez pouvoir y accéder soit sur le menu principal en cliquant le bouton X, voilà, soit à travers le menu de paramétrage, puisque quand vous êtes dans le menu paramétrage, vous avez Enter Game Market, mais c'est exactement la même interface. Alors ce Game Market, de quoi il s'agit? Ben, il s'agit que ici vous avez 2000 jeux, il y en a beaucoup plus que ça, potentiellement, et donc il vous donne accès directement avec différents critères de choix à de nouveaux jeux. Donc vous avez sur le premier point ici charte. Donc c'est plutôt par rapport à des classements, hein, le classement des plus téléchargés, des plus populaires, de ceux qui montent et de ceux qui sont nouveaux. On sélectionne un des critères, hein, on appuie sur le bouton A. Ici, on a un chargement et on se retrouve avec une interface, hein, qui permet de voir quels sont les jeux les plus téléchargés, avec ici donc un top 180. Hein. Ensuite, si on voit quelque chose qui nous intéresse, alors bah, soit il est déjà présent dans la console, quand vous allez appuyer sur le bouton A,
vous allez voir que soit vous avez install, soit vous avez lancé. Hein. Donc ici, j'ai par exemple un fichier de 29,4, hein, Metal Slug, on voit l'émulation, etc. Et on a la possibilité, à partir de ça, de cliquer le bouton A et de partir en phase d'install. Alors je vais le lancer, sachant que c'est toujours un peu lent, donc on passe par une phase ready. Et puis on va commencer à télécharger. Ici j'ai un fichier de 30 mégas. Donc comme vous pouvez voir, j'ai beau avoir une excellente liaison internet, le temps de téléchargement va être très long et va donc dépendre de quel type de jeu vous voulez télécharger. Soyez juste patient, sachant que si vous avez envie de retrouver le plaisir de jouer à un jeu que vous connaissiez et qui n'était pas préinstallé, vous allez pouvoir le faire comme ça. Donc vous allez retrouver tout un ensemble de jeux, d'émulation. Donc ici, voilà, on passe sur les jeux populaires. Hein, on peut passer ensuite donc sur les jeux... Voilà, ceux qui montent, hein, voilà, Tekken 6, je vous dis pas, si vous commencez à télécharger un fichier de 762 mégas, branchez-la sur le secteur. Hein, mais bon, beaucoup de jeux aussi sont des petits jeux, on est dans le rétro gaming. Hein. Le rétro gaming, c'est pas non plus télécharger des choses de 700, enfin, ça dépend ce qui est pour vous rétro. Hein. Ici, on a un giga 2, vous imaginez, en plus, même la console, elle est livrée avec 32 gigas, sur la mémoire, vous allez vite remplir votre mémoire. Par contre, vous avez un petit Tank Battle, la 790K. Il y a énormément de jeux qui sont une poignée d'octets. Hein. Donc ça, c'est le game market, sachant que vous avez la possibilité d'aller par catégorie de jeux. Hein. Est-ce que vous voulez un jeu de combat, de tir, d'action, de sport, de course, type puzzle, ou est-ce que vous voulez plutôt des jeux qui sont dans l'émulation même, de PlayStation portable, de Game Boy Advance, Color, etc. Et vous avez voilà, de PC Engine, vous allez sur les émulateurs et puis vous allez voir les jeux. Alors parfois ils sont déjà installés ici, vous voyez, il est installé, il me propose un start game. Hein. Si jamais il n'était pas installé, vous auriez donc lancer le téléchargement. Et bien sûr, vous pouvez suivre l'état de vos téléchargements, puisque ça se fait en tâche de fond aussi, hein, ici. Voilà en haut. Voilà. Vous avez un in progress. Vous voyez. Il télécharge entre 0 et 17K, 26K. Donc on est presque en peer-to-peer, j'ai l'impression. Hein, tellement que c'est lent. Mais bon. Vous aurez le jeu. Alors c'est un avantage majeur hein, de cette console. Je ne dois pas le cacher parce que moi-même, j'ai voulu retrouver des petits jeux comme Commando ou Ikari Warrior. Je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas là, mais qu'il a fallu que je télécharge. Ça a été hyper simple. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'émulation, il est très simple de trouver des ROMs sur Internet, hein, sur des sites qui les partagent. Maintenant, après, ces sites sont parfois vérolés par des virus, etc. Enfin, c'est quasiment de la mafia. Et je vous déconseille de cliquer et d'installer des exécutables, etc., sans savoir ce que vous faites. Au moins ici, tout reste local, on n'a pas de problème. Hein. Donc, un très très bon point et effectivement un aspect majeur de cette console, hein, que ce market application. Alors cette petite console, elle est sympa d'un point de vue apparence, hein, elle pèse environ 200 grammes, hein, elle est bien équilibrée en main, les boutons sont ok, ça d'accord, vous avez vu qu'elle a le Bluetooth, elle a le Wi-Fi, elle a un Game Market, mais ce qu'on lui demande avant tout, c'est d'être performant en émulation. Donc en termes de nombre d'émulateurs, je vous en ai parlé au début, rien à dire, il y a toutes les émulations, on va dire, standards du marché, hein, qui sont dedans, à la fois des émulations 2D et des émulations 3D. Donc l'interface utilisateur Pandora, elle vous masque la complexité de l'émulateur utilisé derrière. Ce n'est pas un émulateur Pandora, c'est un émulateur libre de droit, tel qu'on peut le trouver sur d'autres consoles ou PC, etc. Et derrière cette complexité, hein, qui est masqué, vous avez donc des capacités d'émulation qui vont dépendre de la console qui est émulée. Hein. Au niveau arcade, au niveau console 2D, ça fait déjà très longtemps que les consoles de rétro gaming sont à niveau. Hein. Donc vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises. Il y a un effet de déchirement, de tearing, hein, qui est souvent présent sur ces consoles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous avez un jeu qui est...
par exemple avec un scrolling horizontal, vous allez voir comme une déchirure, hein, une petite déchirure qui correspond à un problème de fréquence qui fait, voilà, quand je dis vous allez voir, sur beaucoup de consoles, vous pourriez voir ce type de déchirure plus ou moins important. Alors, dans le cas de la Supretro, il n'y a pas ce type de problème de manière majeure. Donc, l'émulation 2D, hop, je vais lancer un jeu, par exemple, Aladdin. Donc, un jeu qui va avoir maintenant 20 ans. Hein. Un petit coup. C'est très fluide. La résolution de l'écran est excellente, hein, je vous rappelle, c'est un 3 pouces et demi 640 par 480, donc très forte densité de pixels. Voilà. Et avec ça, voilà. Très bon graphique, très bonne jouabilité. Voilà. Vous voyez, à ce niveau-là, vous pourriez observer un petit effet dit, donc ce fameux effet tearing. Hein. Mais c'est très fluide par ailleurs. Le son n'est pas mauvais du tout. Hein. Si vous voulez, vous pouvez avoir un meilleur son en utilisant un casque. Et comme je vous montre ici, si vous venez à quitter, on vous propose aussi de sauvegarder la mémoire de manière à pouvoir reprendre le jeu exactement là où vous étiez arrêté. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité très intéressante de cette petite console Retro Gaming. Hein. Donc au niveau des jeux console 2D, vous avez tout ce que vous pourriez avoir envie, sachant que si vous ne trouvez pas, je vous rappelle que vous pourrez demander à le télécharger par ailleurs. Hein. Vous avez la possibilité ensuite, j'essaie de remonter sur le menu catégorie hein, pour voir les différentes consoles. Hein. Donc ça prend un peu de temps, puisqu'il faut se repositionner sur la première page ici qu'on voit. Hein. Donc j'ai 203 pages, je me mets sur la page numéro 1, et quand je vais en haut, je peux aller sur mon sous-menu et aller sur catégorie. Hein. Donc, avec la possibilité, ici, de voir les différentes typologies d'émulateurs qui sont proposées, et je vais aller sur de l'émulation 2D classique, hein, par exemple avec Earthworm Jim, hein, pour vous montrer aussi que ça reste très, très fluide, très fluide, très jouable, très sympa en général. Hein. Donc un jeu qui a maintenant 25 ans. Voilà. Ah oui, c'est pas facile la vie d'un ver. Voilà, vous voyez, très fluide, rien à dire. Si vous cherchez des grands classiques, comme beaucoup, comme moi, j'adore ces grands classiques, hein, vous utilisez le moteur de recherche au pire pour le repositionner, enfin pour le trouver de manière plus rapide, parce que sinon vous risquez de passer pas mal de temps à le chercher dans les listes. Hein. Donc vous allez sur Search, et puis si, imaginons que vous vouliez jouer un jeu comme Commando, hein, hop, CO... Voilà. Et vous pouvez avoir plusieurs variantes. Hein. À vous de voir celui qui correspond. Et ici, je vais lancer un petit jeu 2D traditionnel. Voilà. Un petit Capcom, au moins de 85. Là, ça devient vraiment du rétro gaming. On appuie sur Select pour mettre des petites pièces. Et un petit coup. Voilà. Voilà. Donc. Bon, bah, c'est pas la forme. Hein. Allez, je vais passer maintenant sur l'émulation 3D. C'est celle qui est la plus intéressante d'un point de vue de cette console, puisqu'elle a donc une possibilité d'émulation 3D. Alors, 3D, on va trouver de la PlayStation Portable, on va trouver de la Nintendo 64, on va trouver de la Dreamcast, et on va aussi trouver de la PlayStation normale. Hein. Donc, de nouveau, hop, si je vais sur... de la console, donc 3D,
Voilà, je suis sur les 2D toujours. Allez, je vais commencer par peut-être par la Dreamcast. Alors Dreamcast, très peu de jeux intégrés. J'ai réussi à en ajouter par ailleurs. Ça, vous pourrez lire sur le site et je vous en dirai peut-être un peu plus à la fin de la vidéo. Donc vous avez des jeux Dreamcast. Ça devient relativement nouveau, hein, parce que bon, des consoles qui émulent de la Dreamcast, c'est pas commun. Et si, comme moi, vous en avez une au milieu des années 90, vous devriez pouvoir vous faire plaisir. Je pense qu'il y a, allez, 40 ou 50% des jeux qui sont exploitables. Pour certains, ils seront pas exploitables parce qu'il y aura des ralentissements dessus. Mais ça reste très acceptable en général, hein. Donc ici, c'est un titre qui est en japonais ou en chinois. On va dire, je connais pas trop la forme des idéogrammes. Vous pouvez utiliser tous les boutons. Si vous manque certains boutons, par exemple les côtés, vous pourriez les remapper ici. Bon, même si c'est pas très pratique. Ou bien sûr, utiliser votre manette. Hein. Donc les jeux Dreamcast. Voilà, hein. Vous tournez bien les menus, ça a bien fonctionné. Il y a un excellent son. Voilà, un petit peu de ralentissement au niveau audio. Alors, je sais pas trop comment lancer le jeu pour... Sans attendre. Voilà, c'est parti. Voilà, voyez. Bon, peut-être que par rapport au jeu en réel, la vitesse est ralentie, mais il n'y a rien de méchant. Hein. Voilà, quelque chose de bien fluide. Hein. Hop. Ici, vous voyez, il n'y a pas de sélection pour pouvoir sauvegarder son jeu comme on a pu le voir sur les consoles 2D. Hein. Donc on continue, voilà, ça vous avez aussi du PlayStation Portable. Donc en PlayStation Portable, ça marche quasiment dans tous les cas. Donc là vous avez une console de jeu de super qualité. Alors, juste le temps de trouver où est le bouton, voilà. Le start, continue, c'est parti, on retourne. Alors j'appuie un peu partout là parce que j'ai pas trop. Press start button. Ah, je suis revenu. Voilà. Donc au niveau PlayStation Portable, il y a de quoi se faire plaisir, d'autant que les jeux sont pas gros du tout. Au niveau émulation aussi 3D, donc vous avez de la PlayStation 1. Donc pareil, quand le jeu est bien reconnu, ça se passe avec beaucoup de bonne qualité. Amusant, c'est un petit bonus qu'il y a sur l'entrée du jeu. Hein. Voilà. J'essaye de passer les écrans pour aller au plus vite. Voilà. Voyons. Bon, ok. Et la dernière émulation dont je voudrais vous parler, donc si ce n'est que les fichiers sont gros, hein, du côté émulation PSX,
ça tourne bien, ici, avec possibilité de sauvegarder son état. Et la dernière émulation dont je voudrais parler, c'est l'émulation... Voilà, je quitte. C'est l'émulation Nintendo 64. Donc, c'est celle qui, je trouve, est la moins aboutie. Même si, bon, ça va fonctionner, hein. Ça va fonctionner, mais il y a quand même des problèmes de ralentissement majeurs et puis surtout de crachotement de son qui sont particulièrement désagréables, qui font que bon, bah, le plaisir ne sera pas au rendez-vous. Mais je vais quand même vous montrer que ça reste souvent jouable. Hein. Petit exemple avec un Nintendo 64. Vous allez légèrement entendre un peu de grésillement. Vous voyez ici, il y a des infos de l'émulateur. Voilà, on va faire un petit coup de start. Voilà. Voilà. Vous entendez de temps en temps un petit crachotement. Voilà, petite interruption dans le son. C'est une émulation sur laquelle les émulateurs ont encore un peu de travail à faire. Hein. Voilà, vous êtes tous grattés. Voilà. Alors bien sûr, si vous aviez un joystick, hein, comme celui, comme mon Mi, vous allez pouvoir accéder à un autre type de gameplay, hein, y compris si vous le branchez au niveau d'une télévision. Donc alors... En ce qui concerne les joysticks, que ce soit voilà, un filaire ou que ce soit, ne nous trompons pas, voilà, je vais me brancher un filaire. Et puis après ça, si vous voulez le brancher sur votre télé, vous pouvez. Alors il va vous falloir un câble HDMI de votre télé et un petit adaptateur de ce type-là. Hein. Bon, c'est peut-être pas le meilleur des adaptateurs, mais c'est un micro HDMI, j'en ai pas 50 000 sous la main. Et donc vous pouvez brancher à ce moment-là votre petite console. Voilà, on fait attention. Sur la prise, et ce faisant, on va pouvoir basculer la télévision sur son auxiliaire vidéo. J'en ai un HDMI 3 ici, voilà. Voilà, et donc je me retrouve avec l'interface. Vous voyez que la console reste toujours, son écran reste toujours actif, et ici j'ai bien la possibilité de jouer, voilà. Je vais pouvoir, attendez, juste le temps de reprendre le jeu. Voilà. On attend que ça revienne sur l'écran. Voilà. Alors bon, faut mieux regarder de loin, ça va piquer, hein. On dit ça pique. Mais ici, l'avantage d'une manette comme celle-ci, vous allez avoir les gâchettes pour pouvoir, dans un jeu comme celui-ci, envoyer des choses sur la piste. Bon. Donc ça marche très très bien. C'est un bonus. Hein. Bon, la prise ici, c'est pas non plus super optimal d'avoir ce type d'adaptateur. Hein. Mais ça fonctionne. Et ici, vous avez donc quelque chose de très très complet. Hein. Alors maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose qui est l'ajout de jeux. Alors, on a bien vu qu'on pouvait ajouter des jeux avec le store, hein, c'est très bien, mais vous allez aussi pouvoir ajouter des jeux en utilisant directement la carte mémoire. Donc la manière dont ça se fait, je vous l'explique de manière théorique, hein. Vous retirez la carte, vous le mettez dans votre PC, vous allez voir sur la carte un répertoire qui s'appelle Game, et sous ce répertoire Game, vous allez voir une structure de répertoire, voilà, avec des noms qui apparaissent sous forme cryptée, et vous avez un répertoire qui va apparaître sous une forme sous un nom download, hein. De fait, si vous mettez une ROM compatible dans ce répertoire download, vous allez la voir ensuite apparaître
dans la catégorie respective, voire en haut de votre menu. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai rajouté Exen, j'ai rajouté Donkey Kong 64, j'ai rajouté Indiana, j'ai rajouté Metal Slug, hein, donc Mission Impossible, etc. Donc, vous voyez, il n'y a pas de limite non plus sur les noms. Le point, c'est qu'il faut bien mettre la bonne extension. Donc, les extensions compatibles que j'ai vues, c'est du N64 pour du Nintendo 64, c'est du IMG pour de la PlayStation, c'est du CDI pour de la Dreamcast, et c'est de l'ISO pour de la PlayStation portable. Donc mettez bien ces extensions-là, et à partir de ça, vous les avez. Vous voyez, dans ces cas-là, vous n'avez pas de prévisualisation, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Il y a comme un cache qui fait que des fois vous les voyez pas apparaître immédiatement après vos manipulations. Vous la relancez, vous attendez. Ne vous énervez pas, commencez pas à renommer dans tous les sens, etc. Hein. C'est commencer vraiment à regarder mon article. J'ai bien indiqué les extensions. Je vous ai fait des recopies d'écran, hein, en ce qui concerne l'ajout de jeu, la structure de répertoire. Voilà. Bon, on arrive à la fin de ce test complémentaire vidéo, hein, la Supretro ou tout autre nom que vous voudriez lui donner. Donc moi j'ai été séduit, hein, c'est un produit qui vaut environ dans les 80€, voire moins si vous suivez mes bons plans. On a quelque chose de très cohérent, qui est propre, qui tient bien en main et qui est relativement performant dans les émulateurs. J'ai adoré la présence bien sûr de tous ces jeux et du Game Market, mais j'ai aussi fortement apprécié de retrouver ma petite Sega Dreamcast pour certains des jeux. La partie branchement sur une télé, la partie branchement de joystick externe, tout ça c'est aussi des choses qui vont avoir un intérêt pour un usage plus fixe. Allez, vous êtes en déplacement, vous voulez présenter ça à vos enfants, etc. Vous avez plein de possibilités et c'est tout ce que j'aurais à dire. C'est un bon petit produit, je l'aime bien et ça fait partie des choses que j'avais envie de vous présenter. Donc à bientôt sur la chaîne, si vous l'aimez, bah, n'hésitez pas à partager, et je vous dis aussi à bientôt sur planetenumerique.com, le site.